Salut tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo live réaction pour le teaser trailer comme vous voulez de la quête de 100 ans. Alors là ça va être une dinguerie, je vous dis mon point de vue juste après. On commence tout de suite, sans plus tarder. Allez, 3, 2, 1, go! Alors. Ok. Pour les 15 ans d'anniversaire. Ok. Ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être une putain de dinguerie. Oh la musique par contre j'aime trop. J'aime trop la musique mais par contre l'adaptation en anime. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Alors bien sûr, voilà, c'est un teaser trailer. Bon, c'est plus un teaser qu'un trailer. Mais en tout cas, voilà. Bon, j'avais dit, hein, ça allait être court. Alors, je vais vous donner un peu mon avis. Et surtout, le vôtre est important. Alors déjà, j'aimerais dire aux gens, les personnes qui disent, ouais, t'es pas le vrai Fairytale TV2. Bon, là, j'en fasse une vidéo là-dessus parce que franchement, ça m'exaspère. Les gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Bref, je suis le vrai, hein, voilà. Pour tous ceux qui se demandent, si vous avez besoin de me demander à moi, il y a même mademoiselle ici présente, Miss Canabor Conix, que vous avez connue. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et à la chaîne aussi de mon frérot, Chiroc. Allez, déjà pour vous dire. Cette adaptation en anime, j'espère qu'il va y avoir un cinquième studio qui va s'occuper de l'animation. Parce que c'est vrai que pour la saison 9, moi ça m'a pas vraiment dérangé. Je me suis pas enlevé, mais c'est vrai que ça a dérangé beaucoup de personnes pour les plans fixes. Même si moi, je m'en foutais un peu, moi j'étais vraiment à fond dedans et voilà. C'était pas tout le temps dans les épisodes. Donc voilà. Franchement, j'ai trop hâte de voir tout ce qu'ils vont faire pour cette adaptation. Déjà. Est-ce que ça va être La Quête de 100 ans, saison 1, ou est-ce que ça va être Fairy Tail, EP 329 de Fairy Tail? Ça, c'est une bonne question. À vous de me dire dans ce post commentaire, qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Même si là, ils nous disent que c'est Fairy Tail sans Year Quest, faut pas oublier, c'est un arc avant tout. Ça, faut tilter. Enfin bref. Ensuite, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur des vidéos Wakfu. Wakfu, ça va être parce que il va y avoir la saison 4. Ça, j'ai trop hâte qu'elle arrive. J'ai beaucoup trop hâte. Il y a les films de Fairy Tail que je vais vous mettre. Et aussi, bien entendu, on va faire tous les EP de Fairy Tail Rave Master et Eden Zero en attendant la saison numéro 10 de Fairy Tail. Donc, soit numéro 10, soit numéro 1. On verra bien, mais en tout cas, à vous de me dire dans ce commentaire. Maintenant. Eh bien, moi je vous dis, c'était Warconix, n'oubliez pas, longue vie à Fairy Tail, à tous les univers d'anime, moi je vous dis, c'était Warconix, à la prochaine!